Installé dans l'avenue des États-Unis à Châtel-Guyon, le salon de thé et épicerie fine Côté Douceur vous accueille depuis 3 ans, comme nous en parle Dominique Delis, la co-gérante. Nous sommes installés à Châtel-Guyon depuis 3 ans, à Côté Douceur, et depuis 1 an à Côté Parc, dans le parc thermal. On trouve dans l'épicerie fine des produits bio de producteurs locaux. Ces produits sont sans gluten et sans lactose. On fait des produits bio de producteurs locaux. Sans gluten, sans lactose ou des choses classiques, les pâtisseries maison. En plus de l'épicerie fine, il est possible de se restaurer dans le salon de thé ou alors de commander des plats à emporter. Et puis nous faisons également des plats soit à emporter ou à consommer sur place le midi. Salades, tartes, galettes et puis toutes les pâtisseries maison. Bien entendu, le salon de thé, c'est avant tout un espace de dégustation auquel tient particulièrement Dominique. Dans notre épicerie fine salon de thé, il y a aussi le côté dégustation, où l'on vous propose 25 variétés de thé, les cafés Grand Cru Nespresso, nos pâtisseries maison, il y a des jus de fruits, des smoothies, des boissons fraîches, voilà. Et le chocolat maison, qui est la recette de ma grand-mère. Pour votre CE, ou simplement le plaisir d'offrir, il est possible de confectionner son coffret cadeau. Donc à l'épicerie fine, nous proposons différents coffrets cadeaux avec des budgets différents et nous démarchons donc les CE. Au-delà de l'activité traditionnelle, Dominique propose des ateliers découvertes pour les grands et les plus jeunes. Donc nous faisons régulièrement des ateliers de pâtisserie sans gluten. C'est moi qui les anime. On propose donc aux personnes de venir un peu s'initier comment pâtisser et comment manger mieux sans gluten et sans lactose. Et l'hiver, pendant les vacances scolaires d'hiver, on propose aussi de temps en temps des ateliers de pâtisserie classique, cette fois pour des enfants. Plus pratiquement, Dominique Delis revient sur les horaires d'ouverture de ce salon de thé épicerie fine. Donc Côté Douceur est ouvert lundi, mardi, mercredi de 14h30 à 19h, le vendredi et le samedi toute la journée, le dimanche matin de 10 à 13h. Depuis 2 ans, un autre salon de thé est installé dans le parc thermal de Châtel-Guyon. On retrouve une activité de restauration bio, comme nous en parle Dominique, le co-gérant de l'activité. C'est la deuxième année en fait qu'on s'est installé dans le parc, donc pour la saison thermale complète, c'est-à-dire on va dire d'avril à fin octobre. Et ici, l'activité principale, c'est bon, des repas le midi, des repas bio, sans gluten, donc en essayant de personnaliser les choses en fonction des pathologies des gens, et aussi et surtout des glaces, là on fait des glaces, énormément de glaces et boissons fraîches. Fanny, employée pour la saison, revient sur la carte proposée à la clientèle. Cette carte est réellement adaptée aux besoins de chacun. Et on propose essentiellement des repas qu'on adapte aux curistes, qui sont nos clients pour la majorité, sans gluten, sans lactose, en fonction du régime qu'ils suivent. Ce service, extrêmement personnalisé, ravit une clientèle exigeante, mais surtout fidèle. C'est le cas de Géraldine, cliente régulière du salon. Moi, je viens ici parce que j'ai une pathologie digestive, et du coup, je voulais bien manger. Et ici, on mange très bien, sans gluten, sans lactose, des fois, et avec des plats préparés, des fois un peu à la carte, donc c'est ça qui m'a plu. Service personnalisé, produits de qualité, accueil irréprochable. Les salons de thé épicerie fine Côté Douceur, avenue des États-Unis et Côté Parc dans le parc thermal de Châtel-Guyon sauront répondre à vos demandes les plus exigeantes pour votre plus grand plaisir et surtout pour votre bien-être.